Imhotep, Bekanefer. Bekanefer à tous, Iti. Soyez les bienvenus sur le plateau du Père Ankh MTOT pour ceux qui sont en train de nous suivre sur Facebook, sur le plateau de la radio Kouch Kamit Congo pour ceux qui sont en train de nous suivre sur la radio. Douane et cher à vous tous pour le travail réalisé. Nous sommes réellement, nous avons dépassé les 1000 sur YouTube. Sur la plateforme YouTube, nous sommes allés au-delà des 1000. Selon les termes et conditions de YouTube, nous serions déjà en mesure de transmettre directement sur YouTube. Mais ceci n'est pas le cas, bien que nous avons dépassé les 1000. Nous sommes toujours bloqués. Hein? On ne nous donne pas encore la possibilité d'être en ligne directement sur YouTube. Bien, nous avons dépassé les 1000 il y a seulement quelques jours. Peut-être qu'on doit encore attendre quelques jours. Peut-être pour hors du temps de l'espace, et demain nous serons directement en ligne sur YouTube aussi. Et peut-être la scène pour le prochain Raoult était pour moi. En tout cas, je dois dire à vous tous pour tout ce qui ont partagé. J'ai vu comment ça a été partagé. J'ai vu la campagne qui a été menée à l'extérieur pour inciter les gens à faire les souscriptions pour pouvoir nous permettre d'aller au-delà des 1000. Nous y sommes et Facebook nous fait, disons, YouTube nous fait encore les solides choses qu'ils sont en train de faire aujourd'hui pour bloquer les gens de gauche à droite, dire des lois et des contre-lois, des faussetés. Mais nous espérons que cela ne sera pas notre cas et que nous serons tous débloqués, nous serons en mesure de mettre les Raoult et Tepou directement sur YouTube. D'autant plus qu'il n'y a rien de mal que nous ne faisons, nous sommes en train de partager. Mais en train de partager, ce n'est pas quelque chose que tout le monde aime. Douane chère à vous tous, soyez les bienvenus à nombreux qui ont rejoint le Père Ankh MTOT. Je sais que sur Facebook, nous avons quelque chose comme 16 000 membres. Je sais qu'il y en a beaucoup plus parce que nous avons remarqué que Facebook bloque beaucoup. La semaine dernière, à un moment donné, il y avait 300 demandes d'adhésion au Père Ankh MTOT. À un moment donné, ils ont été annulés, ils ont disparu. À un moment donné, je les ai vus. Quand on allait les revoir pour leur donner accès au Père Ankh MTOT, eh bien, qu'est-ce que Facebook a dit? Il les a annulés. Donc, il y a nombre de personnes qui ont fait leur demande d'adhésion au Père Ankh MTOT sur Facebook. Ce n'est pas que nous ne voulons pas. Ce n'est pas que nous ne sommes pas en train de vous suivre. Mais seulement que la plupart de vos demandes ont été annulées par Facebook directement. Facebook a annulé cela directement. Et donc, nous sommes en train de voir comment utiliser créer des instruments alternatifs. Nous avons commencé par la radio, et je vous demande aussi de faire des adhésions à la radio. Nous avons lancé déjà une campagne de promotion Douane Tchernehek au Baneb Nebkaou qui est en train de nous assister fortement malgré qu'il ait un emploi de temps chargé avec une famille à charge. Mais il est en train de travailler sérieusement pour nous soutenir avec la radio. Et donc, ceux qui sont sur la radio, partagez la nouvelle de la radio. Allez sur les liens Facebook de la radio Kouch Kamit Congo, la radio qui vous accompagne, qui accompagne votre veille de conscience. Et cliquez là aussi, faites ce qu'on dit, les likes, pour nous permettre d'avoir un grand nombre. C'est-à-dire, si nous réussissons à nous transférer sur la plateforme radio, nous avons 16 000 personnes sur la plateforme de Facebook. Si les 16 000, nous réussissons à les transférer, hein, si nous réussissons à faire ces mouvements en l'envers, toujours Facebook, mais maintenant dans la radio Kouch Kamit Congo, ce qui va faire qu'on quitte la plateforme Facebook réellement, parce que là où les vraies choses se passent, c'est dans la radio. Okay? Dans la radio, vous avez la possibilité d'intervenir, vous avez les possibilités de créer des sujets, de nous appeler, de nous contacter pour dire, voilà, je vais une émission pour tel sujet, nous allons faire une émission en ligne avec votre voix. Nous avez plusieurs informations qui sont là. Nous avons des actualités. Nous avons l'éducation pour enfants. Nous avons des programmes pour jeunes. Nous sommes en train de nous diversifier dans plusieurs, dans une particularité, dans une complexité dans ces rangs-là.
Et aussi, nous avons plusieurs autres instruments qui sont en train d'avenir dans les jours à venir. Nous vous tiendrons au courant. Maintenant, c'est l'heure de l'été, du Raoult été. Et nous allons commencer par accéder en pensant par nos deux rituels principaux. Avant tout, celui de la puissance, suivi par celui de l'ouverture de la voie. J'invite donc la grande famille Kaneb, Kaneb et Kadem, Baneb et Baneb, et les Baba, tout comme les Baïfal, du père Ankem Théouti, à s'élever et nous rejoindre dans l'ouverture de la voie. Avant d'aller plus loin, je vais annoncer que demain, le dimanche, les premiers jours de la semaine, demain, nous avons une rencontre entre tous les Kaneb et les Kaneb, Baneb et Baneb du père Ankem Théouti sur la plateforme, disons, Skype. Hein, sur Skype, nous allons tous nous réunir pour une mise au point, une réunion d'encadrement pour une remise en rôle. Alors, la semaine, il y a 2 semaines, il y a eu les Kaneb, il y a eu une programmation des Kaneb et des Kaneb, Badem et Baneb. Et ils ont reçu le diplôme, mais ils ont aussi reçu leur nom, Kouche Kamit Congo. Alors, nombreux ont entendu, certains se sont lamentés de la signification. Eh bien, cela va être fait à progrès. Il y a déjà un grand travail à faire. Hein. Pour pouvoir créer un nom, trouver sa signification, ça prend quelque chose comme 30 à 45 minutes. Imaginez qu'il y ait quelque chose comme 50 personnes. Donc, il y a un premier lot de noms qui vont être annoncés. Les diplômes aussi vont être donnés par. Vous allez recevoir cela à tous les Kaneb et Kaneb, Baneb et Baneb, Douanetcher pour les travaux que vous avez accomplis en vous qualifiant dans les pères MTOT comme des gardiens, comme des enseignants, comme des médias. Douanetcher pour le travail. Je sais que ça n'a pas été facile pour tout le monde. Certains, il fallait couper les temps à gauche et à droite. Donc, je suis vraiment très, très content. Douanetcher, à vous tous qui vous êtes qualifiés. Vos diplômes vous seront donnés en version électronique directement sur vont être reçus entre aujourd'hui et le prochain dimanche pour tout le monde. Ainsi que cela sera accompagné de la signification de vos noms. Les diplômes, je vous ai dit en version PDF, mais pour tout ce qui va avoir leur diplôme en version carton, il va falloir contacter les pères en Témouti. Nous allons trouver les moyens aussi de vous donner les diplômes en version carton. Alors, ces diplômes que vous avez reçus, c'est un diplôme très important. Il s'applique dans le monde Kouche Kamit Congo. Je vous assure, il s'agit des tout premiers diplômes, les tout premiers gradués, les tout premiers certifiés du père Ankh Mtéouti dans l'ambit de la culture Kouche Kamit Congo. Vous êtes des élites, vous êtes les premiers, vous êtes les pionniers. Et il est maintenant temps, il est maintenant grand temps que cette pionnierie démontre sa force, démontre sa valeur, démontre de quoi il est capable dans la mise en pratique, dans la mise sur le travail des qualités, des instructions acquises, des connaissances acquises, mais surtout, surtout et par-dessus tout, du niveau de conscience dont vous avez été les seuls acteurs durant cette époque. Douane Tchera. Sous
ne faire ce n'est. Ja, Seigneur, vie, prospérité et santé. Anachwak embek et nuk embek et Anachwak api nuk api duane cher. Anachwak serket, nuk serket. Anachwak gebser nuf, nuk gebser nuf, duane cher. Anachwak ast, nuk ast. Anachwak amset, nuk amset, duane cher. Anachwak nits, nuk nits. Anachwak domotef, nuk domotef, duane cher. Anachwak nuts. Nuk nuts, anachok geb, nuk geb, duane cher. Anachok, shu, nuk shu. Shu, 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 nuk shu. Anachok, tef nuts, nuk tef nuts. Tef nuts, tef nuts, tef nuts. Tefnut, nuk tefnut, duane cher. Anachok paum teru. Nuk paum teru. Anachok umbum teru. Nuk umbum teru, duane cher. Nuk penukut, nuk penukut, nuga penuka kut, nugar kut, nugar kut. Nuk penukut, nuk penukut, nuga penuka kut, nugar kut, nugar kut. Nuk penukut, nuk penukut, nuga penuka kut, nugar kut, nugar kut. Shem iem otep, ank uja se neb neb duanecher. Duanecher. Duane cher à vous, toujours en forme, et j'espère que je vous trouve en forme. Aujourd'hui, nous allons continuer dans ces réveils, et nous allons encore rentrer en profondeur dans l'analyse, non seulement de la situation, mais spécialement de notre rôle, parce que ce qui est important,
c'est le hall. Une chose qui est sûre et démontrée, qui a été un dénominateur commun de ce peuple, de cet être que tout le monde a voulu appeler les Noirs. Et c'était l'art de se plaindre. Je l'ai déjà ici démontré, les qualificatifs ou l'indicatif noir ne s'appliquent pas à la couleur de peau. Mais d'un certain point de vue, quand on parle du nègre, attention, parce que quand on parle du noir, il y a une double nuance. Le noir indique dans une substance, dans une conception propre, mélanoderme, ce qu'on appelle l'éther. Eh bien, l'éther donne qu'éther. Éther ou F-E-T-H donne l'Éthiopie. L'Éthiopie qui a été traduit par la terre des Noirs est une erreur ou une mauvaise volonté ou une déformation linguistique ou tout simplement une propagande dénigratoire. Parce que l'Éthiopie n'est pas la terre des Noirs. Ou tout comme l'on a voulu traduire Kamits comme la terre de ceux qui ont les faces brûlées. Mais bien, au contraire, l'Éthiopie était la terre des flammes noires. Les flammes noires, ce sont des êtres à part de la création. Parce que les flammes noires, éther, ok, vient de l'éther, qui n'est pas le cinquième élément, mais le premier élément. Parce que c'est grâce à l'éther que le feu, l'eau, l'air et la terre sont créés. L'éther est le tout premier élément. Parler de l'éther comme le cinquième élément, c'est tout simplement comme on parle du troisième œil. Quelque chose qui est là, eh bien, on l'appelle troisième œil. Pourquoi? Parce que nous avons vécu dans un monde qui était upside down, tout baba yingelezi. C'est-à-dire, upside down, mutuna sema kolonikolo, ou la tête en bas, les pieds en l'air. C'est dans ce monde-là où nous avons vu une certaine cartographie de l'Afrique, où le peuple Zoulou, qui signifie ceux qui sont au ciel, sont devenus de l'Afrique du Sud. Voyez la contradiction littéraire. Les Zoulous, qui signifient le peuple du ciel. Les Zoulous, les chevaliers qui sont venus de Mars. Ceux qui ont la maîtrise du fer. Le peuple de Shango habite l'Afrique du Sud. Est-ce qu'il y a un sens? Eh bien, c'est dans ce monde-là que nous avons vécu. Ce monde qui a déterminé notre prison, qui est là dedans, qui a été là dedans. Eh bien, l'Éthiopie n'est pas la terre des Noirs, mais la terre des êtres particuliers. La terre des êtres appelés les flammes noires. Les flammes noires, parce que c'est de cette flamme de l'abondance que sont créées les multitudes, que sont créées les choses de l'existence. Cette terre-là, indiquant ces peuples-là, dénote le début de l'existence, ou je peux dire le début de la manifestation sur ces plans de l'existence. Et bien de l'autre côté, nous avons le même terme, noir. Qui lui a voulu indiquer quelqu'un qui a été dénigré? Les noirs qui s'associent aux nègres signifient dénigré. Eh bien, c'est dans ces conditions que nous avons vécu, dans cet état mental, spirituel dont nous avons vécu pendant très longtemps. Et c'est aujourd'hui, nous devons, dans cet élan de libération, que nous devons nous repositionner. Aujourd'hui, on parle de la quarantaine. Mais moi, Baba Kinke Lao, Wamazulu Shango, Kufui Motepatou, moi là, je vous dis que si vous observez bien, vous n'avez jamais vu ce jeu d'images où vous regardez une image, vous voyez un lapin. On vous dit de bien regarder l'image. Et quand vous allez regarder très bien l'image, vous allez vous rendre compte qu'en la tournant légèrement un peu, ce n'est pas un lapin, mais c'est un homme qui est en train de marcher avec un gros ventre. Eh bien, la situation dans laquelle nous sommes mérite une observation particulière. Il mérite une observation dans laquelle on déplace un peu les champs d'observation. On déplace un peu, on tourne, on rote un peu
l'image qu'on est en train d'observer. Et vous allez voir exactement ce que je suis en train de voir. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Je suis en train de voir une humanité qui, pour une première fois, ne travaille plus pour les colons. La colonisation n'est pas une faute, une situation caractéristique du peuple noir. C'est de l'humanité. C'est comme dans une prison. Dans une prison, il y a ceux qui sont privilégiés et sont nommés chefs de prison. Ils se lavent deux fois, ils ont plus de nourriture, ils ont des avantages, ils ont plus d'air de téléphone. Mais ce ne sont que des prisonniers. Et le chef des prisonniers, c'est lui qui a été nommé chef des prisonniers, se lance dans l'illusion d'être libre. Jusqu'à ce qu'un jour, on va lui rappeler qu'au fait que lui aussi n'est que l'Occident, qu'il n'est qu'un prisonnier. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans l'Occident. L'Occident, le monde occidental, le peuple occidental s'est senti supérieur aux autres. Mais s'est oublié, a oublié qu'en réalité, qu'il n'était que le chef dans une prison. Et dans une prison, le maître du prison, ou soit, il peut changer des rôles au gardien de la prison, ou tout simplement peut retirer cet qualificatif. Et aujourd'hui, on est en train de voir l'Europe en train de rouler rapidement vers la pauvreté. Mais la pauvreté, l'Europe, la destruction du tissu social de l'Europe est un problème de l'humanité. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous appelle, parce qu'il est quelque chose qui est nécessaire. Parlons de mon peuple, le peuple Kouch Kamit Congo. Dernièrement, nous sommes sous l'actualité de beaucoup des activités, nous sommes sous les reflets de plusieurs actualités, notamment sur le plan politique, ainsi de suite, et spirituel et religieux. Et j'ai vu quelques leaders, dont je ne vais pas citer les noms, en Afrique centrale, parler de sécession. Parler de sécession. Il y a des leaders qui sortent dehors, soi-disant spirituels, séminant des séparations. Soi-disant, en République démocratique du Congo, on devait chasser les Balouba, on devait chasser les Swahili, on devait chasser je ne sais pas moi qui, et retenir ces terres pour les Bakongo. Mais les Bakongo, c'est un grand peuple qui vit jusqu'en Amérique du Sud. Pour que le nouveau ordre mondial puisse s'asseoir, ils ont besoin d'appauvrir les États. C'est ce qui est en train de se passer en Europe. Avec l'arrêt du système industriel de production, eh bien, qu'est-ce qui se passe? La pauvreté est en train de monter en se multipliant du jour au jour parce qu'il n'y a plus de production. Et les gens sont en train de vivre sur réserves. Dans certains pays comme l'Italie, déjà, il y a une pauvreté absurde qui est en train de se prononcer. Mais c'est une pauvreté. Imaginez la classe moyenne, parce que l'Europe représente une, ce qu'on appelle la classe moyenne, qui est en train de s'appauvrir. Mais si la classe moyenne s'appauvrit et descend de la pauvreté, ce n'est pas que la classe moyenne, s'appauvrissant, va aller agrandir le nombre de pauvres. Non. Quand elle va se déplacer par les bas pour devenir pauvre, elle va enfoncer ceux qui sont pauvres déjà dans la mort. Parce que ceux qui sont pauvres vont se retrouver démunis de tout moyen de subsistance et par conséquence, ils vont devoir mourir. Nous devons nous projeter dans le futur pour être en mesure de prévenir les dangers que nous sommes en train de voir arriver à haute. Et on l'a dit dans les années passées, que cette année, l'année 133 de Marcus Garvey, l'année de la prophétie, si nous ne nous activons pas de la prophétie, nous en sortirons les pieds devant. Nous sommes dans l'année de la prophétie, mais vous ne devez pas vous en réjouir. Parce que cette prophétie-là, de la libération, a besoin de main d'œuvre. Cette prophétie-là, pour s'actualiser, il a besoin de personnes, et pas des rêveurs, des vraies personnes.
Nous avons besoin de personnes matures et non des enfants. Souvent, je vois des gens qui ont 40 ans qui s'appellent encore enfants indigo. Ben, t'as 40 ans, t'es pas un enfant. Quand on parle des enfants indigo, on n'a jamais parlé des enfants, on n'a jamais parlé des adultes indigo. Hein? Il n'y en a pas, des adultes indigo. On a des gens qui sont 50 ans, qui crient, non, voilà, moi je suis enfant indigo. Chez nous, au Congo, on dit bana bilaka. Mais on a parlé des enfants. Pas des adultes indigo. Pas des batata bilaka, babama bilaka. Ce sont les enfants. Et ça, c'est un problème de psychologie. Pour lesquels on ne sait pas aller au-delà d'une certaine rationnement de l'espace et temps. On perd le sens de sa mission et on s'accroche au non-réel. Au détriment de ceux. Au détriment de ceux qui devaient être à la place pour jouir de la situation. Eh bien, c'est cette situation. Nous avons une lampe qui vient de sauter sur les plateaux. Si ça devient un peu plus obscur, ne vous inquiétez pas. Nous allons voir ainsi, nous allons pouvoir trouver une autre lampe et peut-être prendre une lampe de quelque part d'autre pour remplacer. Donc, pendant quelques temps, ça va un peu devenir un peu obscur et il y a une lampe qui vient de sauter. D'enregistrement. Et je vais donc essayer de continuer dans la voie. Je ne veux pas perdre les fils du discours. Et aujourd'hui, pour la prophétie, nous avons besoin des gens, des personnes qui ont grandi spirituellement, qui sont sortis de leur ego, qui sont sortis d'idées, qui se sont soignés du poison, de la séparation, de la haine qui nous ont été administrés par cuillère. À travers les peuples couches Kamit Congo, tout ce qu'on entend, ce ne sont que des corps de haine et de division et de séparation. C'est la dernière chose du monde dont nous avons besoin maintenant. Il y a un temps pour les conflits dans une famille. Il y a un temps où les frères et sœurs se battent et se disputent. Mais face à un danger venant de l'extérieur, eh bien, on arrête. On met de côté les différences que l'on peut avoir du point de vue intérieur et on travaille ensemble pour la servir. C'est dont il est question aujourd'hui. Aujourd'hui, comme il est là, on ne peut pas parler du conflit rwando-congolais. On ne peut pas parler du conflit nigério-zoulou. Aujourd'hui comme aujourd'hui, toutes ces différents conflits internes opposant les peuples couches Kamit Congo doivent être mis de côté. Il en va de la survie de l'espèce, il en va de la survie de la race. Et j'espère, à ce temps-là, vous devez avoir le bon sens de vous nettoyer du poison qui vous ronge, qui font que vous avez oublié le mal, le tort causé par les colons. Tout ce dont vous êtes en mesure de voir, c'est la petite bêtise qu'a fait votre frère. C'est la petite insulte qu'a proférée votre sœur. Et en raison duquel vous véhiculez des messages de haine à travers WhatsApp, à travers YouTube. Tout ce que l'on voit, ce sont des messages de haine. Et ces messages de haine nous mettent dans une position pour laquelle l'année de la prophétie est un risque. Et l'alternative à la prophétie,
L'alternative à la victoire est une pauvreté. Mais une pauvreté que je vous assure, l'humanité n'a jamais encore vue. Et si l'on rentre dans cet état de pauvreté-là, personne ne va nous regarder parce que nous sommes en train de nous exposer dans un état où chaque peuple sera occupé à organiser sa propre survie. La machine de la production mondiale internationale s'est arrêtée. C'est maintenant un mois. On a ajouté un autre mois. On va ajouter et une machine productive mondiale, vous la connaissez bien. Si elle s'est arrêtée pendant 3 mois, elle aura besoin de 3 ans pour repartir. Si cela sera possible. Donc nous sommes dans une paralysie économique. Et une paralysie économique va entraîner une crise économique emblématique. Parce que même durant la crise de 1930, il n'y avait pas eu une paralysie. L'économie mondiale ne s'était pas arrêtée comme c'est arrêté aujourd'hui. Quand vous regardez dans l'histoire du monde, toutes les autres crises, il n'y avait pas une paralysie. Aujourd'hui, l'économie mondiale a été paralysée. Partout, tous les mondes sont dans les maisons. Et on ne produit plus. Et il va y avoir une invasion de la pauvreté et un mouvement vers le bas des classes sociales. La classe moyenne mondiale va se retrouver dans la pauvreté. Ça signifie la classe retenue pauvre du point de vue de la classification que nous connaissons dans le monde, eh bien, va être contraint à disparaître. Parce que cette classe-là va se retrouver sans ressources, sans moyen d'accès aux soins médicaux, soit sans moyen d'accès à l'instruction. Et il ne lui restera pas autre opportunité que celui de disparaître. C'est ainsi qu'on parlera de sélection naturelle. D'où Darwin retourne et dit la survie, la capacité de survie du plus fort lui garantit la domination sur les pauvres. Sur les faibles. Et donc, nous devons nous rendre bien compte de cette situation-là. Et pourquoi? Parce que c'est un monde qui est en train de couler. J'ai dit à un point, à un certain moment, que c'est la toute première fois dans le monde dans lequel nous avons une situation pour laquelle nous avons arrêté de travailler pour l'école. Alors, du point de vue des colons, il a stabilisé le monde. Il a immobilisé le monde entier. Et vous a tous bloqué, nous a tous bloqué dans les maisons. Moi, je vous dis le contraire. Moi, je vous dis, du point de vue de mon observation, j'ai beaucoup plus de travail que je n'avais avant. Avant, tout le monde disait, voilà, j'ai mon caillou, j'ai mon petit travail à faire. J'ai mon job, j'ai pas le temps de l'instruction. Aujourd'hui, tous sont libres. Vous avez été relevé de votre fonction d'esclave. Mais justement, il y a ce qu'on appelle les syndromes de Parkinson. C'est quand on a été le syndrome de Stockholm. Quand on a été pris en otage pendant très longtemps, on développe l'amour pour son otage. Et pour la première fois, depuis très longtemps, j'ai dit Dua Nature à tous nos ancêtres, Dua Nature à Lumumba, Sékou Touré, Dua Nature à Moussa Garvey, en tenant firme. Dua Nature à Mbutu Sékou Ngondwa Zabanga, à Lumumba. Dua Nietzsche à Sankara. La liste est longue. Des gens, n'oublions pas le colonel Kadhafi, qui ont fait que
leur travail dans le bien et dans le mal ont contribué à ce moment que nous sommes aujourd'hui. Ne pensez pas et ou ne vous laissez pas penser que cette situation est causée par eux. Non. C'est une lecture. Je ne dis pas non. Mais je dis ça, c'est leur interprétation. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes libérés du joug du colonisateur. Moi, je dis, droit naturel, ça, c'est le travail de nos ancêtres. Et maintenant, la question qui se pose. Maintenant que vous avez été libérés, qu'est-ce que vous faites? La même question, le dilemme du prisonnier. C'est lui qui a été en prison pendant 35 ans, pendant 45 ans. Qui a combattu pendant 35 ans à obtenir la liberté. Une fois qu'il est libre, vous savez qu'est-ce qu'il fait généralement? Il rentre dans sa maison, il rentre dans sa chambre et ne sort plus. Il sort d'une prison, il a combattu pendant 25 ans, 35 ans pour la liberté. Il sort d'une prison et il rentre dans une autre parce qu'il a été pendant très longtemps habitué à se comporter de cette manière. Il sort d'une prison et rentre dans une autre. C'est pourquoi nous avons manifesté la réalité de la quarantaine. Parce que nous avons besoin de quelqu'un qui nous dicte ce qu'il faut faire. Nous avons besoin de quelqu'un qui nous enferme et qui nous donne à manger. Et voilà, le monde entier se retrouve dans cette situation où on se renferme, on est en train d'attendre l'aide humanitaire. Qui va arriver, oui, mais à des prix dont vous, que vous allez regretter pour des générations. Maintenant, plus que jamais, nous sommes libres. Vous et moi, c'est le moment d'investir. C'est le moment d'investir dans la communauté Kouch-Kamit-Congo. Car un homme vit pour l'émancipation de sa race et de la postérité. Le devoir divin, c'est le devoir des races. C'est ainsi que dans les Pères Ankamtéouti, nous avons élevé trois principes directrices dans notre démarche. L'amour à la source à Dieu le Père et Dieu la Mère. La source qui est origine de toutes choses manifestées et non manifestées. La conscience, l'amour et les devoirs des races viennent en deuxième position. Parce que tout ce qui se passe, notre évolution sur le plan spirituel est une question raciale. Ça n'a rien à voir. Elle n'est pas exclusive, mais elle est contributive. Votre contribution à votre espèce. Chaque espèce travaille pour sa propre espèce. J'ai déjà donné l'exemple de la forêt générée.